500 dans la vie. Allez, le mot du jour et des prochains jours. Les échanges ont déjà commencé. Le mot du jour, remaniement. Nouvelle phase dans le quinquennat, alors qu'il est le président de la République. Ce livre, on en parlait dans le journal à l'instant, à la presse régionale. Il donne peut-être quelques détails sur les prochaines orientations du quinquennat, je ne sais pas. Nous allons évidemment en parler avec Isabelle Florenne, qui est autour de cette table. Bonjour Isabelle Florenne, députée MoDem des Hauts-de-Seine. À vos côtés, Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Bonjour. Sénatrice de Paris. Secrétaire départementale Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebailly est avec nous également, bonjour. Et maire de Maison Lafitte, dans les Yvelines. Oui. Dites-moi si je me trompe. Jacques Millard est également avec nous, ancien député. Le remaniement, donc, tous les sondages confirment à ce stade une tendance, Édouard Philippe. Eh bien, là où il est, ce sont les Français qui le disent. Récente étude du jour pour Elabe, 57% des Français ont l'air d'apprécier leur Premier ministre, ou en tout cas d'estimer qu'il y a peu de raisons qu'il quitte Matignon. Et il va trouver des soutiens jusqu'à Marine Le Pen, Édouard Philippe. Oui, très, très certainement, je le garderai. Oui. Bah, écoutez, il est plus populaire que lui. Alors, en quelque sorte, il contribue un peu à la popularité d'Emmanuel Macron, même si celle-ci est très basse. Si c'est pour remplacer Édouard Philippe par Sibeth Ndiaye ou par Brune Poirson, oui, je pense qu'il a intérêt à garder Édouard Philippe, c'est sûr. Bah, voilà. Bon, vous reprenez les mêmes arguments, Isabelle Florenne, que Marine Le Pen pour garder Édouard Philippe à Matignon ? Pas vraiment, mais moi j'écoute très bien les Français, et les Français ont en tout cas approuvé largement, on voit le sondage, ce qu'il a fait durant la crise et la façon dont il a mené notamment la période de déconfinement. Donc ça, c'est un beau résultat, et puis il a un très beau résultat également au Havre. Effectivement, le Premier ministre est conforté, mais ce que je ne peux pas vous dire, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du président de la République, personne ne le sait. C'est assez inédit, reconnaissez-le. Avant un remaniement, il y a beaucoup de fuites. Qu'on n'en sache pas plus. Et moi, je pense que c'est une bonne chose que le président garde, son nouveau chemin, en tout cas ses perspectives, qu'il les annonce, qu'il fasse quelques annonces à la presse quotidienne régionale. On en parlera peut-être. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il va faire des annonces à la presse quotidienne régionale. Il m'a pas livré de confidence encore, hein, mais je regarderai avec attention demain, c'est son interview, et on pourra en reparler quand le nouveau gouvernement sera nommé, et notamment les choix déterminants qui seront faits pour les deux ans qui viennent. Bah oui, parce que le casting, il va avec un peu le contenu aussi. Et le casting est déterminant du chemin et de la voie qu'on veut tracer pour la suite. C'est étrange, il y a une question qui ne se pose pas. Est-ce que c'est l'intérêt du Premier ministre de rester avec ce président de la République qui commande un Titanic ? Parce que moi, je serais à la place de ce Premier ministre, je prendrais le large. Parce que je pense que ça ne va pas s'améliorer et que Emmanuel Macron est fragilisé, fortement fragilisé. Donc en réalité, si j'étais Premier ministre, ce qui n'est pas le cas, hein, rassurez-vous, eh bien, je claquerais la porte et je serais peut-être une réelle alternative pour après. Mais s'il reste avec ce président... Ça, c'est parce que vous êtes à droite que vous dites ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai jamais... On porte des masques, mais je n'avance pas masqué. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Donc, il est évident. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt du Premier ministre, c'est de ne plus suivre Macron. Donc, en fait, au lieu de poser... On pose la question de savoir si Édouard Philippe est un atout ou un handicap pour Emmanuel Macron. Vous inverseriez la question. Absolument. Sabrina Sebailly, vous en dites quoi ? Oui, bah écoutez, moi j'ai suivi aussi les sondages qui confortent effectivement M. Édouard Philippe. Alors c'est vrai que dans la gestion de crise, il est apparu comme la personnalité qui, en termes de communication, était beaucoup plus crédible que d'autres personnes du gouvernement qui se sont exprimées tout au long de cette crise, parce qu'on a quand même assisté à plusieurs couacs en termes de communication sur les masques, sur les stocks, sur les tests, sur plein de choses. Et c'est vrai qu'il est plutôt apparu comme quelqu'un qui avait, qui donnait des informations avec le ministre de la Santé, des informations très claires. Donc ça l'a sûrement conforté. Maintenant, moi, je rejoins un peu ce que dit mon collègue à côté. Si on était à sa place, je pense qu'effectivement, M. Macron aujourd'hui est fragilisé. En termes de stratégie, je pense qu'il n'a aucun intérêt aujourd'hui à rester Premier ministre, en tout cas s'il se voit aller vers d'autres fonctions plus tard. Et c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, M. Macron ne parle à personne de ses idées en termes de remaniement, ça prouve encore une fois l'exercice solitaire. Il parle à du monde. Enfin, il est quand même dans un exercice très solitaire du pouvoir, en tout cas, qu'il applique depuis le début, avec des interventions qu'il fait seul à chaque fois quand il décrète la date du 11 mai pour le déconfinement.
il y va tout seul, il prend la décision tout seul et il y va. Donc, il est quand même très solitaire. Ça s'appelle faire de la politique. Après un conseil de défense quand même. Hein. Enfin, je veux dire, oui, là, il consulte. En tout cas, il a pris de court le gouvernement. Il les a mis à marche forcée pour aller sur cette date du 11 mai quand même. Marie-Noëlle Lienemann, je vous donne la parole, mais j'aimerais qu'on entende un de vos collègues au Sénat, membre de la majorité. Écoutez ses arguments. Lui, à l'inverse, se passerait bien d'Édouard Philippe et il explique pourquoi. Moi, je crois qu'il faut un changement profond de gouvernement pour une bonne raison. C'est qu'on s'est pris une déculottée incommensurable à ces élections municipales. Il faut dire la réalité. Quand on perd, on perd. Donc, quelque part, on était un petit peu en dehors. Et il ajoute un autre élément, c'est on a besoin d'empathie et quelque part, Édouard Philippe, il a quelque chose de trop techno. Qu'est-ce que vous en dites ? Enfin bon, moi, je ne trouve pas qu'Édouard Philippe a quelque chose de trop techno. Personnellement, comme individu, je pense que c'est quelqu'un de compétent, de rigoureux, assez clair sur ses choix. Clairement, à droite, il l'a toujours dit. Il a fait une politique de droite et il l'a assumé. Donc, moi, personnellement, ce qui me heurte dans le système, c'est que quand un grand pays comme la France doit aborder une crise aussi lourde que celle que nous avons à affronter aujourd'hui, le seul débat procède du bon vouloir du président de la République, de savoir s'il faut réorienter la politique de la France, dans quelle direction, par rapport à sa prochaine réélection. Mais vous voudriez que ça se passe comment ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même des vrais débats parlementaires sur l'orientation dont la France a besoin. Et ensuite, le président de la République doit tirer les conséquences de l'orientation qui est souhaitée. Mais ça prend quelle forme, ça ? Un débat parlementaire avec des orientations, un travail parlementaire. Il consulte les présidents de chambre. Rien n'empêcherait d'avoir un débat parlementaire sur la sortie de crise avec soit une proposition émanant d'Édouard Philippe sur comment il voit la prolongation et du président de la République. S'ils ne se mettent pas d'accord sur ce qu'il faut proposer au Parlement, ils nous l'expliquent qu'ils ne sont pas d'accord. Et le président choisit une autre ligne. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne peut pas être espèce de truc, comment pour la prochaine présidentielle je vais, etc. Donc moi, personnellement, je n'ai pas d'avis, si ce n'est que je pense qu'il faut qu'on revienne sur des grandes réformes qui ont été des vrais dangers par rapport à notre modèle social et qui sont inadaptées, déjà, elles l'étaient avant, mais elles le sont encore plus au regard, comme les retraites ou la CEDIC, par exemple. Mais, la réforme de l'assurance chômage, oui. Voilà, et je vois mal celui qui les a faites vous dire que non, il faut les mettre au placard et repartir. Donc moi, personnellement, si vous me demandez, je pense qu'il faut un changement, mais au fond, le vrai changement, c'est est-ce que Macron a décidé sortir de la voie dans laquelle il était jusqu'à présent ? Je n'y crois pas. Voilà. Je voulais juste dire, je rebondis sur ce que vient de dire Mme Lienemann, c'est que je crois que ce qui manque à ce pays, c'est à nouveau retrouver un ministère de la prospective. Le plan. Alors on ne l'appellerait plus le plan, etc. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que on gouverne un peu trop dans l'immédiateté. On le voit pour Et il faut une prospective et il faut que ça soit nourri par un ensemble d'acteurs. Il faut qu'il y ait les syndicats, il faut qu'il y ait les intellectuels, il faut qu'il y ait l'administration, il faut qu'il y ait les entreprises. On avait, au temps du plan, des documents dans lesquels, je dirais, ça faisait choc les idées. Et on voyait, il faut retrouver l'aménagement du territoire, tout un tas de choses qui ont été passées à la trappe ces dernières années par divers gouvernements. Alors, j'aimerais aussi qu'on voit aussi que les priorités des Français, ils ont été interrogés sur ce point aussi. C'est vrai que depuis dimanche et la victoire dans les grandes villes de partis écologistes, on entend beaucoup parler de politique plus verte. Quand on interroge les Français, ils nous disent à 65%, regardez, l'emploi et la reprise économique, c'est notre priorité. Derrière la santé, évidemment, avec la crise que nous traversons, la réduction des inégalités, l'environnement vient, si je puis dire, en quatrième position. Alors, vous me répondrez, on peut faire de l'écologie avec tout ça à la fois, créer de l'emploi, assurer la santé, etc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le signe qu'il ne faut pas donner forcément une tonalité si verte que ça, parce que c'est beaucoup ce qu'on entend au futur gouvernement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dimanche, les Français ont parlé dans plusieurs grandes villes et ils ont mis, en tout cas, des maires écologistes à la tête de leur municipalité. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand on dit, on fait un sondage à la sortie d'une crise qui n'est pas encore totalement finie, effectivement, on est dans une crise économique, sociale, sanitaire. Donc, l'emploi, forcément, c'est une préoccupation primordiale aujourd'hui des Français. La santé, bien évidemment, on est encore dans la crise du Covid n'est pas terminée. Et Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'écologie, l'emploi, l'économie ou la santé. Tout va ensemble. Et je pense que c'est une grave erreur aujourd'hui de ne voir l'écologie que sous le prisme environnemental.
Donc l'écologie politique, c'est un tout. Et l'écologie répond aux questions d'emploi, d'économie, de santé, on répond à toutes ces questions de société. Non, et voilà l'enjeu autour du cap aussi. On le voit, bien sûr, les Français, avec le taux de chômage qui va exploser, évidemment, c'est la priorité. Et évidemment, ça se construit à travers cette priorité-là, un futur gouvernement. On a vu ce week-end, avec l'abstention importante, que les Français étaient quand même très loin, globalement, des enjeux des élections municipales et que les préoccupations des Français. Et là, cet instantané, ce sondage instantané Le Monde, c'est effectivement leur emploi, l'emploi de leurs enfants. Comment on fait pour se projeter dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment sur toute une classe d'âge auquel je pense actuellement, qui sont les 200 à 300 000 jeunes qui vont se retrouver, se retrouvent actuellement sur le marché du travail avec évidemment peu de perspectives, peu de contrats, quel que soit leur niveau de formation. Donc là, il y a une réelle préoccupation. Et dans l'abstention de ce week-end, il y a la réponse, ce sondage en est une réponse. Évidemment, la question écologique était au cœur de beaucoup de projets locaux, de projets municipaux. Et je suis d'accord avec vous, cette question écologique, elle n'est pas antinomique, elle n'est pas contradictoire avec une reprise économique. C'est en tout cas ce que j'ai compris des premières annonces du président de la République le 14 juin. Et puisqu'on parle emploi, ce chiffre à l'instant, 3378 postes supprimés à Toulouse chez Airbus, selon le syndicat, FO, preuve de l'importance que va prendre et que prend déjà cet enjeu de l'emploi et pour les sous-traitants. On va avancer, si vous voulez bien, et suivre ce qui se passe à l'Élysée, bien sûr, de très près. Mais j'aimerais vous interroger sur les suites de l'audition. Il se passe beaucoup de choses en commission d'enquête. Ce n'est pas les parlementaires qui sont autour de la table et ex-parlementaires qui vont me contredire. Il se passe beaucoup de choses en ce moment en commission d'enquête à la Assemblée, que ce soit sur la justice ou que ce soit sur le coronavirus. Commençons par le coronavirus parce que finalement, une semaine après, l'audition du professeur Raoult fait beaucoup de bruit et la réplique s'organise. Le conseil scientifique, la haute autorité de santé, dénonce d'une même voix des propos qu'il juge infamants et relevant de la part du professeur Raoult de la calomnie, des mots qui sont assez durs. Et l'APHP va même un peu plus loin en portant plainte contre le professeur Raoult. Explication de Charline Hurel, vous allez comprendre pourquoi. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. C'est cette phrase prononcée le 24 juin dernier devant la commission d'enquête qui place Didier Raoult à nouveau sous le feu des critiques. Dans une lettre, Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, accuse le professeur controversé de mentir. Nous n'avons aucune donnée qui place à 43% la mortalité dans les réanimations de la PHP. D'autre part, il n'y a à ce jour aucune étude publiée qui analyse comparativement les taux de mortalité en réanimation entre les hôpitaux parisiens et marseillais. Bras de fer entre les deux hommes, le défenseur de l'hydroxychloroquine maintient ses propos. Il renvoie à un rapport de la cellule de crise de la PHP datant du 14 avril, mais également aux propos du chef de service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière. Pour Paris, je confirme, pour les malades en réanimation, je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Mais Marseille, je ne sais absolument pas, je ne sais pas. Martin Hirsch cible également ses propos du professeur Raoult à propos du premier décès du Covid en France. Il avait de la fièvre, il a 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital. Le directeur général de la PHP affirme de son côté que ce patient a été admis à l'hôpital Georges Pompidou et qu'il n'a jamais été renvoyé chez lui. Avant de vous entendre sur ce plateau, j'aimerais qu'on écoute le professeur Jean-Michel Constantin. Bonjour professeur, vous êtes à la Pitié-Salpêtrière. On vous a souvent entendu pendant cette crise, souvent vous êtes venu échanger avec nous. Vous comprenez les poursuites là, lancées par la PHP, elles sont justifiées selon vous à la lumière des chiffres avancés par le professeur Raoult ? Elles sont probablement justifiées. Cela ne me surprend pas que l'AP réagisse par voie officielle par rapport à ses propos. Je ne suis pas persuadé qu'il ait menti. Je crois qu'il ne sait pas de quoi il parle et qu'il est totalement en dehors de la réalité, le professeur Raoult. Et ce qui me gêne, c'est pas qu'il compare des chiffres, c'est qu'il se permette de faire passer le message des familles potentiellement endeuillées. Eux n'ont pas pris en charge leurs proches convenablement. Et quand je dis que je ne sais pas de quoi ils parlent, c'est que si vous voulez, à mon sens, la confusion, elle est qu'à Marseille,
réanimation tous les temps qu'il y avait une détresse, comme on fait toujours au quotidien. Les réanimateurs marseillais sont des amis. J'ai même des amis très très chez Latimone et à Nord. Quand à ce moment-là, sur Paris, on avait une telle vague qu'on a pris en réanimation que les patients les plus graves qui nécessitaient absolument une assistance ventilatoire invasive, voire une épuration, une oxygénation extracorporelle. Et on avait créé, ce qui n'a pas été fait ailleurs, des unités intermédiaires dans lesquelles on mettait tous les patients qui avaient besoin d'oxygène ou de ce qu'on appelle la ventilation non invasive. Ce qui fait que si on parle à Marseille, il faut comparer l'ensemble de... Ah, on a un problème de liaison avec vous, professeur Constantin. Je suis désolé, on vous entend mal, mais on a entendu l'importance de votre propos, c'est que tout dépend du cas et de la gravité du cas qu'on prend en charge. Et sûrement là, une distinction à faire entre, au plus fort de la crise, la situation à Marseille, la situation à Paris. Mais tout de même, Marie-Noëlle Lienemann, on a vu la controverse scientifique, on a entendu les débats scientifiques, tout et son contraire parfois. Ça doit maintenant se régler devant les tribunaux ? Non, mais moi, je trouve ça absurde. Je ne vois pas pourquoi. D'abord, la commission d'enquête parlementaire, elle doit faire la vérité. Un témoignage n'est pas la vérité révélée. Et de premièrement, elle doit donner la liberté totale de ton à celui qui vient s'exprimer. Enfin, vous prêtez serment. Ben, vous, bien vous sûr. Le savez. Non, mais attendez. Vous êtes entre tenu de dire la vérité. Ben, la vérité. Vous voyez bien la controverse scientifique. Moi, c'est pour ça que je trouve ça absurde. Vous trouvez absurde qu'il y ait une plainte ? Oui, que la PHP dise les propos du professeur Raoul ne nous paraissent pas rigoureux parce que premièrement, il n'y a pas d'études. Mmh. Bon, s'il n'y a pas d'études, ce n'est pas forcément faux, mais en tout cas, ce n'est pas fondé. Deuxièmement, les chiffres que nous avons ne correspondent pas à la même base statistique, c'est-à-dire d'un côté, on prend que ceux qui sont en réa pur et de l'autre côté, on prend réa plus le sas d'expansion entre les deux, et que si on prend les deux, à Marseille, il y a que tout est groupé, ailleurs, c'est segmenté, les chiffres ne sont pas les bons. Mais il ne faut pas être dans la controverse. Ils entretiennent l'idée qu'ils ont une réaction passionnelle par rapport au professeur Raoul. Il faut avoir une analyse rigoureuse, scientifique, et nous savons que dans les sciences, notamment quand il s'agit des statistiques, la base que vous prenez pour les statistiques, c'est comme le taux de chômage comparé en France et en Europe. Oui. Avec tous les gens. Les chiffres, on leur fait dire beaucoup de choses. Donc au bout d'un moment, la truc... Et pendant ce temps-là, on ne se pose pas la question suivante, qui est de se dire comment ça se fait que ce pays n'avait pas les masques et dépend des Chinois. On se la pose aussi, oui, en parallèle. Mais on va se la poser ensemble. Comment on n'avait pas les tests? Pourquoi on ne les a pas fait? Non, je ne vous dis pas que Raoul a raison. Je dis que ce n'est pas... L'objectif de ces commissions d'enquête, ça doit être de faire, autant que faire se peut, une analyse rigoureuse, oui, contradictoire. L'analyse n'est pas terminée, on est bien d'accord. Madame Lienemann, en réalité, ils nous cassent un peu les pieds, tous ces gens-là. Moi, je Exactement. Suis excédé par ces prises de bec que permet Martin, et je le connais, c'est un homme tout à fait performant, posé, etc. Mais de là à aller à chaque fois, je te poursuis pour diffamation, je te poursuis pour ça, ras-le-bol. Je veux dire, les tribunaux ont autre chose à faire, vous voyez ce que je veux dire. Et la synthèse de la commission d'enquête se fera in fine, et là, on jugera. Alors, on connaît, vous savez, il y a un mensonge, le parjure et les statistiques, qui sont le troisième degré du mensonge. Donc, il est évident que ça sert strictement à rien et que ça agace les Français et que ça décrédibilise des gens qui, par ailleurs, ont une certaine notoriété. Oui, enfin bon, la vérité, ça a un sens aussi. La vérité a un sens. Il y a un deuxième cas qui est par exemple le cas de ce patient chinois qui a été infecté. Mais vous voyez, il y a des faits. Oui, mais les faits. La gestion de la crise passe au second plan sur un débat de statistiques, alors qu'on sait que pendant cette crise, on a eu énormément de mal à avoir des chiffres exacts, ne serait-ce que sur les EHPAD, le nombre de décès dans les EHPAD, les tests qui n'ont pas été effectués sur les morts pendant cette crise. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas réellement assez de recul pour avoir une analyse fine et avec des chiffres précis sur ce qui s'est passé. Donc, la gestion de la crise passe au second plan. Il faut quand même se pencher sur la manière dont a été gérée cette crise sanitaire. Pourquoi on n'avait pas les stocks de masques? Pourquoi on n'a pas fait les tests? Et surtout, on ne peut pas comparer la région Île-de-France avec la région, à Marseille, puisqu'on n'était pas du tout dans le même type de configuration en termes de crise. Bon, vous êtes tous d'accord sur ce point. Manifestement, pour vous, la PHP n'avait pas apporté plainte.
On apprend beaucoup de choses dans cette commission d'enquête. Et j'aimerais qu'on revienne également sur ce qu'a dit Roselyne Bachelot hier. Auditionnée en tant qu'ancienne ministre de la Santé, elle a répondu à cette même commission d'enquête sur le coronavirus devant laquelle Didier Raoult s'est présenté. Interrogée sur la question des gestions de stock, elle a estimé qu'un ministre devait être au courant de tout. Ça, c'était une manière de répondre à Agnès Buzyn. Et puis, elle a ajouté ceci concernant les médecins. En se mettant dans une situation d'avant-crise, je tiens à ce que les choses soient claires, pas en situation de cœur de crise, mais d'avant-crise. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse ?» Mais qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de Pasteur ? Qu'est-ce que c'est que cette médecine où on ne croit plus à l'asepsie ? Alors vous dites les gens ne croient plus au masque, mais quand un médecin vient me voir pour une angine à streptocoque, qu'il arrive sans masque, sans blouse, sans se laver les mains, qu'il me pose sur le torse, très beau d'ailleurs au passage, mais un stéthoscope qui n'a même pas désinfecté et qu'il repart sans se laver les mains, sans masque et sans blouse, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des blouses ? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. L'infantilisation, nous dit Roselyne Bachelot. Est-ce qu'il n'est pas là le mot-clé de ce que veut dire la ministre ? Alors, beaucoup de médecins ont trouvé qu'elle était allée peut-être un peu trop loin, l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Mais elle nous dit, est-ce que tout doit venir de l'État tout le temps ? Ça me rappelle la phrase de Pompidou, vous vous souvenez, quand il avait été bloqué dans un train dans le Massif central, il n'avait pas accusé l'État de ne pas venir le chercher. Vous vous souvenez de cette affaire ? Donc elle s'est fait plaisir, Roselyne, en disant ça, ça c'est clair, on la connaît. Mais elle n'a pas tout à fait tort. Pourquoi elle n'a pas tout à fait tort ? Parce qu'il y a un moment, les citoyens, enfin les médecins, elle a raison, parce que, comme vous l'avez dit, c'est avant la crise. Oui. Donc effectivement, si avant la crise, le médecin n'a pas le minimum d'éléments pour travailler, c'est quand même assez étonnant. Alors, elle exagère sans doute un peu, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui devaient avoir, qui désinfectent le stéthoscope, qui ont des masques, qui ont des blouses, etc. Donc, mais elle se fait un peu plaisir. Il y a forcément beaucoup de médecins avec des blouses aujourd'hui. Non, mais surtout, ce que je retiens, c'est une grande leçon de politique. Elle a fait, effectivement, vous la connaissez bien ici sur LCI, elle a fait un grand numéro, mais je ne dis pas ça du tout de façon péjorative. Elle a donné une grande leçon de politique. Et hier, j'ai écouté l'intégralité de son intervention. C'était un moment d'abord très intéressant sur sa gestion. Et elle est tout à fait légitime pour dire ce qu'elle dit, puisqu'elle a géré. Et elle en a pris plein la figure au moment de la grippe H1N1. Oui. Et elle en a pris. Et elle le reconnaît. Et elle dit qu'elle a eu raison. Et elle explique pourquoi. Et toute cette partie est aussi très intéressante. Et ensuite, elle dit des choses, mais en fait, écoutez, regardez le buzz que ça a fait. Les gens l'approuvent. Effectivement, une profession doit s'équiper, quelle qu'elle soit. Si elle est exposée de façon sanitaire, elle doit aussi envisager la prévention. Et beaucoup de médecins, heureusement, l'ont fait ou sont équipés. Et après, vous avez toujours les râleurs qui se répandent sur les plateaux télé. On les connaît et on les a vus immédiatement réagir. Mais on parle de l'avant-crise, c'est pour Et pour équilibrer le débat, et je vous donne la parole, écoutez ce que vient dire aussi Xavier Bertrand devant cette même commission, lui aussi ancien ministre, et il ne dit pas la même chose. J'estime également que les professionnels de santé libéraux sont les bras armés également de l'État, et qu'ils doivent être protégés par l'État. Je vois qu'il y a, depuis quelques heures, début d'interrogation ou de polémique. Chacun voit midi à sa porte, mais en tout état de cause, quand je vois aussi le tribut qu'ont payé les professionnels de santé des libéraux, le nombre de malades, ceux qui sont aussi morts, je pense que c'est aussi dans les fonctions régaliennes que d'assurer la protection de ceux qui nous protègent et de protéger effectivement ceux qui nous soignent. C'est bailli. Oui, bah écoutez, moi, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui sont morts pendant cette crise. Un plan de santé publique, ça se réfléchit quand même à l'échelle nationale. Donc, dire aujourd'hui que les médecins n'étaient pas équipés en stock de masques, quel stock de masques on parle ? Si on parle d'un médecin qui
travaillent dans un cadre normal hors période de crise, je pense que les médecins sont équipés aujourd'hui avec le minimum, c'est-à-dire un masque pour travailler quand il y a la grippe, quand il y a ce type de virus qui sont saisonniers. Maintenant, on est dans le cadre d'une crise d'une grande ampleur où, à l'époque, je le rappelle quand même, le gouvernement nous expliquait que c'était une simple grippette. Enfin, au moment où la crise arrive et on est impacté de plein fouet, les médecins se tournent. Le gouvernement le disait aussi. Les médecins se tournent pour commander des masques. Il n'y avait plus de masques. Enfin, c'est ça aussi la réalité. Mais il n'y en avait pas avant. C'était les épidémiologistes. Premièrement, effectivement, les médecins doivent avoir des masques, des blouses, mais pour un nombre de cas limité, quand ils voient qu'ils ont une suspicion de staphylocoque, de choses comme ça. Et ce n'est pas systématiquement tout le truc. Là, on avait besoin de systématiquement masques, blouses, éventuellement, etc. Donc, premièrement, la santé publique, et je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Bertrand, la santé publique, l'État doit garantir l'accès de tous aux masques. Le vrai sujet, c'est pourquoi avant, on avait démantelé la stratégie qui était préexistante sur tout ce qui est masque, gel et protection sanitaire. Il y avait un organisme spécifique, les PSUS ou un nom comme ça, qui planifiait, qui prévoyait des stocks, qui prévoyait peut-être d'ailleurs pas assez la manière dont ils étaient ventilés et les logistiques connexes. Mais il y avait cette structure. On l'a démantelée avec d'ailleurs déjà la thèse que j'entends, c'est que chaque entreprise devait avoir ses masques. Ce qu'en d'ailleurs l'ensemble des entreprises le sachent. On délibère d'un truc, d'un plan. Donc il faut que ces plans sanitaires soient débattus, rendus publics, votés par le Parlement, actualisés régulièrement et que des suivis soient garantis pour être sûr que, un, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, deux, que l'État a fait ce qu'il fallait et qu'on ait les moyens. Et enfin, quand vous voyez qu'il y a des entreprises de masques français aujourd'hui qui ont des surplus et qui ne savent pas s'ils vont pouvoir poursuivre leur production, je dis halte les conneries, il faut immédiatement organiser cette filière. Pour expliquer peut-être, c'est pour éviter qu'on se débarrasse de ces masques, le gouvernement, et vous allez voir pour... J'ai fait un lien. Le gouvernement demande aux entreprises de s'équiper en prévision d'une éventuelle deuxième vague en prenant 10 semaines de stock de masques en prévision, donc encore une fois, de l'automne. Et alors tout de suite, enfin, levée de bouclier et la réponse des entreprises qui nous disent « ça va coûter cher ». Donc à la fin, c'est le consommateur qui va payer. Écoutez le président de l'Union des entreprises de proximité. C'est ce qu'on veut. C'est mesuré, hein, dans nos entreprises. Les mesures sanitaires, aussi bien en temps de mise en œuvre qu'en achat de matériel, est quelque chose de coûteux. Certains de nos collègues sont contraints de répercuter ça sur le client, faute de quoi, naturellement, il y a un problème d'équilibre. Puis l'entreprise ne peut pas travailler en perdant de l'argent. Donc, si jamais il y a des surcoûts, ils seront répercutés, ça, sans aucun doute. Et là, je reprends le mot de Roselyne Bachelot d'infantilisation. Et alors quoi ? Quand il faut, on se tourne vers l'État, on lui demande de nous fournir les masques, Marie-Noëlle Lindemann, et puis de l'autre, ah non, mais moi, je dis préparer l'avenir. Personnellement, je dis que les entreprises doivent prendre en charge ce genre de truc, quitte à ce que les prix augmentent, je m'excuse, au bout d'un moment. Pour autant, 10 semaines, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. On avait un entrepreneur qui nous disait tout à l'heure, ça me coûtera 20 000 euros. Et à juste titre, quand on a dézingué, qu'on a démantelé les prises, c'était une faute. Il faut que l'État assure des stocks stratégiques et en fonction de ça, en relation avec les entreprises, bien sûr, il peut les nourrir en masque ou en gel. Donc c'est complémentaire. Mais le problème, c'est qu'il faut un service public qui soit adapté à la pandémie et à d'autres calamités. Et c'est ça qui a posé problème. La notion de service public, je rejoins les propos de Xavier Bertrand, sont fondés. Et ce que dit effectivement Bachelot, c'est que c'est en amont de la crise où chacun doit se dire, minimum, est-ce que j'ai aussi les moyens ? Mais bien sûr, en mais c'est ce qu'on fait. Crise, en amont fois, de la crise. On fait les chefs d'entreprise. Donc, je veux bien qu'Alain Grisé dise ça. Est-ce qu'il s'exprime pour l'ensemble des entreprises ? Il y a des entreprises qui ont pris les devants dès le départ, se sont équipées. La région Île-de-France, et je pense à un certain nombre de régions, et notamment celle de Xavier Bertrand, ont ouvert pour les entreprises des centrales d'achat d'équipements et ça fait quand même deux mois accidents du travail on travaille sur ce sujet et que les chefs d'entreprise ont le souci de la protection de leurs salariés sans toujours attendre que l'État sans toujours attendre l'État a son rôle à jouer dans la pandémie, c'est évident, en cas de pandémie donc évidemment une gestion, mais après effectivement il faut que les entreprises soient en capacité de protéger leurs salariés en tout temps, et je pense que effectivement ce qui est voté, il faut que ça soit communiqué largement au
propose aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent être à jour sur les stocks de masques, sur la protection. S'ils ne sont pas avertis maintenant, ils ne le seront jamais. Hein. Là, au passage, il faut voir que les prix, il faut voir que les prix des masques ont fortement diminué et que les charges ne sont pas... Moi, pour ma ville, j'en ai acheté au moins 50 000, 60 000. On les a en stock, on distribue ça gratuitement, mais on a atteint des prix. La concurrence a joué, hein, je peux vous dire. Enfin bon, moi, je tiens à ce qu'on prenne prioritairement des masques produits en France. Ah, ça, parce d'accord. que c'est quand même la garantie... C'est ce que j'ai fait à Maison Lafitte. Hein. Quitte à ce que ce soit légèrement plus coûteux, je pense que c'est fondamental pour... Et réutilisable. Deux, plus on joue local, les solidarités locales, entre entreprises, mieux ça vaut. Parce qu'on a moins de logistique bureaucratique, etc. Fabricate. Et, par ailleurs, je considère que vu la deuxième vague, et assorti à la couleur blanche, à ma cravate. Il n'est pas illégitime, vu qu'on n'a pas ce système public organisé, il n'est pas illégitime que, par mesure de précaution, on demande avant la deuxième vague, aux entreprises d'avoir d'anticiper. Des mesures de précaution. Par contre, moi, je fais quand même une distinction entre les très grandes entreprises qui, aujourd'hui, ont quand même... les moyens de s'équiper et les petites PME, TPE qui sont en grosse difficulté à la sortie de cette crise et qu'il va falloir aussi soutenir parce qu'il y a quand même tout un pan de l'économie locale qui est en train de s'effondrer suite à cette crise. Mais les PME, il faut les aider de toute façon. Il faut les aider de toute façon, mais sur les masques aussi. Il y a un débat évidemment qui concerne la gestion sanitaire en général. Il y a un débat aussi en ce moment, il est aiguisé, entre justice et politique. Ça ne vous aura pas échappé, tout parti confondu. Dans un contexte très tendu, c'est peu dire qu'on attendait beaucoup de la nouvelle audition de la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault. Y avait-il eu pression dans l'affaire Fillon, comme l'a clairement dit l'ex-chef du parquet national financier, le PNF, Catherine Champrenault, a répliqué. Il y a deux points importants à retenir. Le premier point important de son intervention et de ses réponses, c'est que non, elle n'a pas reçu à l'époque, dit-elle, de consignes venues d'en haut. D'abord, je voudrais dire avec force que je n'ai reçu dans l'affaire Fillon comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique aucune instruction de la DACG, aucune instruction du pouvoir exécutif et qu'ainsi je n'ai jamais, jamais relayé une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures. Je partage avec vous la réaction de Jean-Luc Mélenchon qu'on apercevait tout à l'heure dans le journal de midi, mais qui était on ne peut plus clair, même asséné à coups de marteau, le sabir volontairement abscon de Champrenault reste un enfumage. Sa spécialité juridique reste la persécution politique des opposants et l'intimidation des subalternes. Je rappelle qu'on prête serment, encore une fois, devant une commission d'enquête parlementaire et qu'on est censé dire la vérité. Jacques Millard, quand vous entendez... On a une crise majeure de la justice et c'est dramatique pour le pays. Car la justice, c'est la pierre d'angle, je dirais, d'une société démocratique. Donc il y a une politisation, une dérive d'un certain nombre de juges, certains, qui portent atteinte à l'institution. Et ce que disait Dupond-Moretti, en parlant de Mme Moulette, c'est qu'elle a choisi ses termes, elle a dit ce qu'elle avait à dire, qu'elle avait eu, je dirais, des demandes de renseignement en permanence, sous serment. Et ensuite, elle se rétracte. Donc il y a un problème. Quand vous avez le mur des cons, quand vous avez une accélération dans l'affaire Fillon, je ne vais pas défendre Fillon sur le fond parce que je n'ai pas beaucoup aimé ce qui s'est passé. Deuxièmement, que vous avez effectivement ensuite l'histoire des fadettes avec les avocats, ça fait beaucoup. Non, mais ça fait beaucoup. Mais là, vous avez la procureure générale de Paris qui vous alors dit qu'il n'y a plus aucune consigne. D'accord. Là, elle l'a dit sous serment. Bon. Voilà, si elle amène la preuve. Jean-Luc Mélenchon, visiblement, il en doute. Oui, mais c'est Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il ne dit pas qu'elle a fait un faux témoignage. Non, il dit que c'est un enfumage. Il dit que c'est de l'enfumage. Excusez-moi, après, on peut jouer sur les mots. Mais non, mais ce n'est pas du tout la même chose. La réalité, moi, je n'ai pas entendu tout le truc, mais elle n'a pas répondu, à mon avis, de manière claire sur les raisons pour lesquelles elle-même a demandé. De son propre chef. Voilà. Parce qu'à la limite, je crois. Enfin, si, pas elle à la répond limite. Là-dessus en disant c'est non, normal. Non. Oui, ben non, c'est justement, pour que Mme Moulette dise le contraire, que c'est c'était pas normal, c'est que c'était bien différent. Voilà. Hein. Donc, et pourquoi c'était différent? Et pourquoi une telle accélération en plein rush? Je ne vais pas défendre Fillon, personnellement, je pense à défendre. Alors. Mais pourquoi un plein rush, en plein rush présidentiel, elle bouscule sans arrêt l'institution pour accélérer. Ah bah alors, de la même manière. Ça, elle a une réponse. Alors, une réponse. On va l'entendre. Pourquoi accélération? Pourquoi est-ce que ça va vite à ce moment-là? Parce que c'est un reproche qui lui est fait. Réponse. On peut toujours contester cette rapidité ou revendiquer une trêve, qui d'ailleurs n'est pas dans la loi.
pendant la campagne électorale, qui d'ailleurs n'avait pas officiellement commencé. Mais à 3 mois de l'élection présidentielle, il n'était pas illogique de procéder à des premières vérifications qui, au demeurant, si elles s'étaient avérées négatives, auraient pu avoir pour effet de lever toute suspicion à l'égard des personnes mises en cause. S'il n'y avait rien à reprocher à François Fillon, mais d'accord, mais ça je connais. Non. Mais pourquoi deux poids, deux mesures ? Voilà. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Parce qu'au moins sur un truc, je suis d'accord avec Mélenchon. Mélenchon est récurrent, dès qu'il y a un truc. Ah, mais quand même, peut-être que pendant ce temps-là, on sait qu'une partie des comptes de Macron n'était pas non plus d'une transparence et même a été contestée. Il n'y a jamais de Il n'y a pas d'affaire. Vous voyez, si, il n'y a, ah ben, si, a pas de procédure. Ben pourquoi il n'y a pas de procédure ? Pourquoi, par exemple, la procédure de Mme Pénicaud est toujours aussi lente ? Pourquoi ? Et celle du président de l'Assemblée nationale. Et truc, pourquoi c'est très lent pour eux et c'est très rapide pour d'autres ? Voilà. Donc je ne veux pas juger. C'est pas crédible. Ça. Je dis. Si vous le faites, Marine Le Pen. Oui, ce que je constate, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Et du coup, voilà, la vraie question. C'est l'indépendance du parquet vis-à-vis de l'exécutif. Non, mais je constate, et on en débat tous les jours sur ce plateau en ce moment, parce qu'il y a des affaires nouvelles tous les jours, qu'en fait, quelle que soit la parole portée, en l'occurrence, c'est la parole aujourd'hui de la procureure générale de Paris, il y a un doute. Parce que cette parole, elle est mise exactement. En doute. Non, mais attendez, oui, mais, ce qui n'est pas mis... par vous, représentant politique. Non, mais attendez, bah, ce qui n'est pas mis en doute. Ce qui n'est pas mis en doute, c'est que je connais un certain nombre de mes collègues qui ont eu maille à partir, et que cette femme, je le dis comme je le pense, elle est de la procureure générale. Elle poursuit sa propre politique et elle est assez déterminée à flinguer. C'est aussi simple que ça. Vous donc, dites que c'est un juge politique. Et c'est pas un juge, elle met en accusation. Procureur général, mais le parquet, n'est pas un juge. Non, non, il met en accusation. Oui, mais en accélérant d'elle-même, il faut savoir que d'elle-même, elle a véritablement la force de caractère de vouloir véritablement se payer quelques politiques. Oui, mais les politiques sont des justiciables comme tout le monde. Mais d'accord, mais il y a des moments où personne ne dit ça. Moi, je suis désolée. Il y a deux catégories de politiques. Les politiques sont des justiciables comme tout le monde. Je suis désolée. On peut poser la question de l'indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir de l'exécutif. Ça, c'est évident. Je sais qu'il y en a qui ont la tentation à chaque fois de demander la suppression du parquet national des financiers. Donc, c'est aussi ça derrière. Des avocats comme des politiques. Je rappelle quand même que c'est ce qui permet aujourd'hui de traiter la délinquance à col blanc. Donc, c'est quand même assez important. Oui, mais si, quand même, parce que derrière, c'est aussi ça qui est sous-jacent. Et je suis désolée, les hommes politiques sont des justiciables. Personne ne le nie, et madame. On ne doit pas changer le calendrier parce que... Mais ce n'est pas ça, c'est ce que Marie-Noël vient de dire. Non, comment se fait-il que des procédures sont lentes et que d'autres sont hyper accélérées ? Je pense que les politiques sont des justiciables comme les autres. Bien sûr. Simplement, on voit bien que l'usage d'un calendrier et d'un rythme et voilà. ne peut pas être différent selon une affaire ou une autre. Parce que là, pour le coup... ça peut avoir un impact politique. Il faut un traitement équitable. Et donc, il faut absolument veiller. Et donc, vous n'entendez pas les arguments que vient d'avancer la procureure générale du Parlement sur la célérité du... Il faut un traitement équitable. La mise en... François Fillon avait été président... Il était juste candidat à la présidentielle, François Fillon. De toute façon, François Fillon, il y avait un problème. Il y avait quand même un problème. François Fillon a gagné les primaires de l'UMP et de la droite en se présentant comme le candidat de toutes les vertus et de la transparence politique. Mais ça, c'est de la morale. Mais moi, je vais vous dire... Oui, c'est de la morale, monsieur. Oui, c'est de la morale. C'est comme ça que les Français jugent. Sauf qu'il y a un moment, quand on se dit... imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen. Quand même. Ça a été le problème. Quand vous vous présentez comme ça devant les électeurs, ça relève de la morale. Mélenchon, il s'est présenté comme le candidat de la morale en politique. Après la campagne électorale, on aurait dit que le parquet aurait ralenti. Qu'est-ce qui se passe ? La morale, elle revient dans la figure. La morale lui revient dans la figure avec cette affaire qui sort. Et effectivement, les choses s'emballent. Mais il était quand même candidat à l'élection présidentielle. Mais il aurait été battu quand même. Donc, vous parlez du clan Fillon. Le clan Fillon, ce n'est pas l'ensemble des parlementaires ou des élus LR. Vous avez aussi tous ceux que vous n'entendez pas aujourd'hui qui vous disent « notre élection présidentielle, cette élection que nous ne pouvions pas perdre, je parle de la droite, on l'a perdue à cause de lui. Il nous l'a volé parce que beaucoup n'étaient pas au courant de ça, ce qu'il avait fait. » Ça, je suis bien payé pour le savoir. Mais je suis bien payé pour le savoir. Mais je vous regarde. Il a fait un certain nombre de fautes, dont cette histoire de dire qui imagine le général de Gaulle mis en examen, alors qu'il fallait rassembler la famille. On ne fait pas des attaques en dessous de la ceinture. Non, mais et il ça, aurait c'est été battu. C'est fini, je suis désolé. Il aurait
le temps passe, et le temps passe. Et je vous remercie aussi d'avoir participé à ce débat. Évidemment, comme tous les jours, le débat politique. Dans un instant, Arlette Chabot qui reçoit justement Roselyne Bachelot. Mais d'abord, la météo de Tatiana Filler.